Excellency, Excellence, chers délégués, mesdames et messieurs les participants, je souhaite vous accueillir à la 18e réunion annuelle du Forum sur la gouvernance de l'Internet. Je m'appelle Rebecca et j'ai l'honneur de servir de maîtresse de cérémonie pour cette ouverture. Avant la cérémonie d'ouverture de la 18e réunion annuelle du Forum sur la gouvernance de l'Internet, nous vous présentons maintenant, en guise d'acte d'ouverture, la pièce de théâtre Kabuki de Lyon avec Sansui Media, reconceptualiser la tradition dans le théâtre japonais. Le kabuki est un art du spectacle original qui est apparu à Kyoto au début de la période Edo. Dans cette nouvelle œuvre, l'esprit d'un lion héroïque apparaît dans la scène culminante de Renjishi, chef-d'œuvre du kabuki. Cette scène dans laquelle le lion sent une fleur, puis fait des mouvements violents qu'on appelle folie, a été interprétée par un acteur professionnel du kabuki. Cette scène est absolument parfaite pour une conférence internationale sur les technologies de l'information. Nous vous invitons à apprécier ce spectacle. Thank you.
Now, I would like to welcome. Maintenant, je souhaite la bienvenue à Monsieur Lee Junhua, sous-secrétaire général des Nations Unies, et Son Excellence Monsieur Fumio Kishida, Premier ministre du Japon, ici sur scène. Veuillez les accueillir maintenant. So, ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour la 18e réunion annuelle du Forum sur la gouvernance de l'Internet organisé par les Nations Unies et organisé par le ministère de l'Intérieur et des Communications du Japon. Je voudrais maintenant commencer la cérémonie d'ouverture. Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à M. Antonio Gutiérrez, secrétaire général des Nations Unies. Un message vidéo sera présenté par M. Lee Junhua, secrétaire général adjoint des Nations Unies. M. Lee, je vous prie de bien vouloir vous rendre au pupitre. Good morning. Excellence, Monsieur Kishida, Premier ministre du Japon, Excellence, Mesdames et Messieurs, chers participants. C'est un honneur pour moi de vous présenter ici le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Antonio Guterres, qui va maintenant vous saluer par le biais de la vidéo. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de saluer le Forum sur la gouvernance de l'Internet qui se retrouve à Kyoto. Je vous remercie de vos efforts inestimables que vous avez déployés pour rassembler les gouvernements, le secteur privé et la société civile et la communauté technique pour la tâche essentielle qui consiste à faire progresser un Internet sûr, ouvert et mondial. Depuis près de 20 ans, cette coopération multipartite s'est avérée remarquablement productive et résistante face à l'évolution des technologies de l'information et de la communication, aux tensions géopolitiques croissantes, à la prolifération des crises et à l'aggravation des divisions. Votre travail est plus important que jamais. Nous devons continuer à exploiter les technologies numériques rendues possibles par l'Internet pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, à l'action climatique et à la construction d'un monde meilleur. Je vois trois axes principaux. D'abord, nous devons travailler ensemble pour combler le fossé de la connectivité et amener les 2,6 milliards de personnes qui ne sont pas en ligne, en particulier les femmes et les filles, dans les pays développés, sur Internet. Ensuite, nous devons travailler ensemble pour combler le fossé de la gouvernance, y compris en élevant et en alignant le travail du FGI et d'autres organismes numériques à travers le système d'événements et au-delà. Ensuite, nous devons rapprocher la coopération numérique axée sur les droits de la personne et l'être humain. Il est impératif que l'Internet, y compris l'infrastructure physique qui le sous-tend, reste ouvert, sécurisé et accessible à tous. Cela signifie que les institutions multipartites de l'Internet, établies de longue date, ont besoin d'un soutien accru et non moins important. Le groupe de direction que j'ai mis en place a pour objectif de fournir une orientation stratégique, un financement stable et un impact pour votre travail si important. Pour faire avancer la recherche de solutions concrètes en matière de gouvernance, il faut nommer un conseil consultatif de haut niveau sur l'intelligence artificielle qui fournira des recommandations préliminaires d'ici la fin de l'année. Et le pacte numérique mondial proposé pour adoption au Forum du futur en 2024 vise à définir des principes, des objectifs et des actions pour garantir un avenir numérique centré sur l'homme. Les gouvernements, le secteur privé et la société civile doivent se réunir pour s'assurer que les engagements inscrits dans le pacte soient respectés. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous replier dans des silos. Nous devons nous efforcer de prévenir les lacunes dans les nouvelles technologies numériques, éviter les doubles emplois et faire face aux risques émergents de manière efficace. Je compte sur votre rassemblement à Kyoto pour apporter une contribution essentielle à l'avancement de nos efforts. Ensemble, nous pouvons réaliser l'ambition exprimée par l'équipe de votre forum et construire l'Internet. Nous voulons donner le pouvoir à tous. Je vous remercie. Thank you, Mr. Secretary General. Please allow me to join the Secretary. Merci, Monsieur le Secrétaire Général Adjoint. Je souhaite remercier le gouvernement du Japon de nous recevoir.
Mesdames et messieurs, chers invités, comme le secrétaire vient de nous le rappeler, les défis auxquels fait face la communauté internationale a trait à l'agenda 2030. Ces défis sont vastes et complexes. L'Internet jouera un rôle intégrant dans ces différents efforts pour construire un avenir plus résistant. Cela signifiera de meilleures politiques qui rationaliseront les avantages des différentes politiques tout en atténuant les risques. Le forum de gouvernance sur Internet doit reprendre les efforts de la communauté internationale pour rassembler les différents pays et les différentes personnes et parties prenantes. Nous devons rassembler les personnes des différents horizons. Nous devons renforcer nos efforts et faire partie de ce cadre pour trouver des points de conversion, de convergence, pour trouver des solutions dans les différentes régions. Et c'est la raison pour laquelle j'accueille le forum sur ces différentes solutions et je me réjouis à l'idée de découvrir vos solutions et vos recommandations pour progresser sur cette voie. Mesdames et messieurs, il y a 18 ans, en 2005, le FGI a reçu son mandat du SMSI et bientôt nous reviendrons sur ce mandat. Les États membres étudieront les impacts et les résultats de ce forum et détermineront son avenir. En gardant cela à l'esprit, je vous invite à étudier trois questions au cours du FGI de cette année. D'abord, le FGI a-t-il respecté ses objectifs et son mandat? Deuxièmement, comment l'Internet peut mieux soutenir les objectifs prévus? Troisièmement, comment le FGI peut-il travailler avec le pacte mondial en direction de l'avenir? Il s'agit de responsabiliser chaque pays pour obtenir les politiques prévues, soutenir un accès plus sûr et sécurisé, un accès pour chaque personne. Nous devons nous assurer que nous respections nos engagements. Nous appelons de nos voeux un engagement de chaque partie prenante. En créant les efforts prévus à cet effet pour atteindre les objectifs, pour combler les lacunes. Ensemble, travaillons avec les différentes parties prenantes et le forum pour construire l'Internet que nous souhaitons. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. J'invite maintenant M. Fumio Kishida, Premier ministre du Japon, pour son allocution. M. Kishida, je vous en prie, dirigez-vous vers le podium. Bonjour à tous, je m'appelle Fumio Kishida, Premier ministre du Japon. Bonjour à tous et bienvenue au Japon. Je souhaiterais d'abord rendre hommage à tous les participants au forum, qu'ils soient ici ou en ligne, et qui s'engagent à poursuivre la discussion pour améliorer l'Internet, pour les efforts que vous déployez pour en faire une réalité. La philosophie de base du Forum sur la gouvernance de l'Internet, qui met l'accent sur des processus ouverts, démocratiques et inclusifs, est conforme aux valeurs fondamentales de mon pays. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir ici pour la toute première fois en tant que pays hôte de cette réunion annuelle du Forum sur la gouvernance de l'Internet.
Les technologies numériques, notamment l'Internet, sont des moteurs de croissance économique et de croissance pour les gens du monde entier. L'Internet fonctionne comme forum d'expression libre, diversifié, permettant l'accès à l'information et aux services qui vont au-delà des contraintes de temps et d'espace. Cela est devenu non seulement essentiel pour notre vie de tous les jours et nos activités socio-économiques, mais est également extrêmement important en tant que fondement d'une société démocratique. Un Internet libre, non fragmenté, est également essentiel pour relever les différents défis auxquels nous sommes confrontés. Développement, santé, sécurité, ainsi que pour le développement futur de l'humanité. Par ailleurs, il est indéniable que l'Internet a donné lieu à des problèmes qui menacent la sécurité des personnes et la liberté des activités économiques et sociales. Diffusion d'informations illégales, néfastes, fausses informations, cyberattaques, cybercriminalité. Nous ne pouvons pas nous permettre de tourner le dos à ces différents défis. Je suis personnellement convaincu que nous pouvons rationaliser les avantages de l'Internet tout en atténuant les risques pour les participants du monde entier qui ont différentes perspectives en partageant la sagesse d'une approche multipartite. Le thème général de la réunion de cette année, à savoir l'Internet que nous souhaitons, un Internet pour tous, est l'expression de notre détermination à obtenir un Internet inclusif qui n'abandonne personne et qui ouvre la voie à un avenir durable pour l'humanité. En tant que pays hôte, le Japon estime qu'il est de son devoir de contribuer à cette discussion. Nous pensons qu'il est nécessaire de maintenir un Internet ouvert, libre, mondial, interopérable, sûr et digne de confiance, afin de promouvoir une circulation fiable et digne de confiance des données. DFFT, pour contribuer au développement humain. Le Japon reste engagé vis-à-vis de la gouvernance de l'Internet par le biais de ses différentes parties prenantes. Enfin, mais non en ordre d'importance, notre ville hôte, Kyoto, est une ville riche en histoire et en tradition. J'espère donc qu'alors que vous mènerez des discussions animées sur l'avenir de l'Internet et que vous échangerez avec les autres participants, vous pourrez également apprécier la culture, la gastronomie et l'hospitalité de Kyoto et du Japon. J'espère que cette réunion de Kyoto sera importante et fructueuse pour l'avenir de la communauté internationale et pour chacun d'entre vous. Je souhaiterais maintenant conclure mes remarques d'introduction sur ce point. Merci. Merci, Excellence. Thank you. Merci. Nous pouvons encore applaudir chaleureusement nos deux orateurs.